Mystérieuses, monumentales, les sculptures émergent. Porquerolles prend une dimension culturelle. Sa nature généreuse est mise en avant par une vingtaine d'artistes inspirés par ce site protégé. Alors là, on est au milieu des quatre saisons. Ces quatre visages qui ont été imaginés et réalisés par Ugo Rondinone, l'artiste. Chaque visage, vous pouvez les voir, chaque visage représente une saison. Elles sont toutes les quatre orientées sur les axes cardinaux. Et elles sont en fin de parcours, comme des fantômes qui vont ensuite hanter les visiteurs. À quelques jours de l'ouverture, le jardin de la Fondation Carmignac est encore en travaux. Un challenge pour Charles, le fils d'Édouard Carmignac. L'art est ici une histoire de famille, de transmission. Il a toujours eu des tableaux autour de lui, il est un grand mélomane, il s'est toujours entouré d'art. Et maintenant, le seuil historique, c'est qu'il va partager cette collection avec le public. C'est important pour lui ? Ah là, il est très ému, là. Il est comme un enfant, là. Ah, voilà ! Édouard Carmignac, le voilà. Il veille sur les derniers accrochages. Il le sait, l'ouverture de sa fondation est très attendue. Il faut dire que ce riche homme d'affaires possède l'une des plus belles collections de tableaux. Andy Warhol, Roy Lichtenstein ou encore Botticelli. Et même son portrait, signé Basquiat. Oui, il a écrit mon nom ici, là. Les murs blancs m'angoissent, donc dès que j'étais étudiant, j'avais des affiches. Après ça, j'ai commencé à acheter quelques œuvres. Et j'ai eu la chance de m'intéresser aux artistes de ma jeunesse, les Warhol, les Schoenstein, au moment où ils étaient abordables. Et aujourd'hui, ce serait très difficile de reconstituer cette collection aujourd'hui. Et la Fondation a de quoi séduire avec une collection permanente de plus de 70 œuvres installées dans une suite de salles lumineuses. Et pourtant construite à 7 mètres sous une propriété viticole. Une prouesse architecturale au service de l'art.